Hey, bonjour les amis, c'est Brazil Solipad, votre gamer préféré du moins je l'espère. On est parti donc pour notre nouvelle vidéo de la nouvelle boutique du jour, donc du 9 septembre 2022. Donc c'est parti avec à la une l'arrivée du pack Fierté Prismatique avec Mazi, une icône en devenir, fait partie de l'ensemble Fierté Prismatique, disponible depuis ses saisons et ses chapitres. L'accessoire de dos, roi à l'arc-en-ciel, réagit à la musique. Donc voilà, elle a deux customs différents qu'on voit actuellement à l'écran. Voilà, avec donc son roi l'arc-en-ciel, un crâne renégat chamarré. Donc voilà, c'est son petit accessoire de dos qui réagit à la musique comme on le voit actuellement à l'écran. Avec son Kaile dos broyeur, vous êtes qui vous êtes. Donc ça c'est son outil de collecte, donc excusez-moi. Avec son marque arc-en-ciel, c'est le revêtement d'armes. Donc voilà, tout ça pour 1500 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Nazi et son roi d'arc-en-ciel pour 1200 V-Bucks, le Kaido Broyeur pour 500 V-Bucks, la marque en ciel pour 300 V-Bucks. Voilà, donc c'est pack et hors pack, donc un nouveau pack qui arrive dans la boutique ce matin. Ensuite vous avez le retour de Harley Quinn, coucou qui sait, Pampan c'est moi, fait partie de l'ensemble Fête la Fête, disponible depuis la saison 5 du premier chapitre avec ses trois customs différents comme vous voyez actuellement à l'écran. Voilà, la deuxième et puis donc la troisième. Avec son bus en ballon, l'accessoire de dos, attention au trou d'air, voilà. Tout ça pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez Grifou, Bonne Nuit les Petits, il fait partie du même ensemble. Lui aussi, il a trois customs différents, disponible depuis la saison 5 pour les chapitres. Avec son lama en ballon, c'est son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks, donc. Ensuite, vous avez le Marteau Queener, qui est leur outil de collecte. Squeak, 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 squeak. Disponible depuis la saison 3. Du chapitre 1 pour 1500 V-Bucks. Ensuite, de l'auto de Valkyrie, à mes côtés, Noble et Jars, pardon, fait partie de l'ensemble Héros, disponible depuis la saison 5 pour mes chapitres. Avec ses ailes de Valkyrie, leur battement jette toujours un froid. Tout ça pour 2000 V-Bucks. Ensuite, vous avez le Cryo Dragon, qui est son planeur, pour 1500 V-Bucks également. Le retour de la Pileo, faites briller votre partie animale, fait partie de l'ensemble. L'ensemble, pardon, Jungle de Néon, disponible depuis la saison 2, chapitre 2, avec ses deux customs différentes. Changer de style en attendant entre outil de collecte et une arme, d'accord. Avec son accessoire de dos, grille croisée, on peut être sauvage et avoir du cœur, voilà. Donc tout ça pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le Léo Lama aussi qui refait son grand retour, illuminé à Savane, fait partie du même ensemble, saison 2, chapitre 2, avec ses deux customs différents comme vous voyez actuellement à l'écran. Et vous avez il y a même trois customs d'ailleurs, hop. Et la troisième donc. Et ensuite vous avez sa grille diamantaire qui est tout simplement son accessoire de dos, clairement à la pointe de la mode. Tout ça, donc le prix du pack pour 1500 V-Bucks. Ensuite vous avez Néonimal, c'est leur revêtement d'armes pour 500 V-Bucks. Voilà donc. Ensuite vous avez Zina. Plus qu'Anas, elle est un ananas. C'est parti l'ensemble Bandi Ananas, donc elle fait son retour elle aussi. Saison 2, chapitre 2, avec ses deux customs différentes. Et ouais, elle a deux styles différents, donc c'est ça. Et Salias Tropical, qui sont accessoires de dos. Comptez vos gains sous les cocotiers. Tout ça pour 1200 V-Bucks. Ensuite, le retour d'Artificière, une tenue artificière rare, disponible depuis la saison 1 du premier chapitre, donc les amis, pour 1200 V-Bucks. La pluie de banane se mêlée derrière vous. Saison 9, premier chapitre pour 500 V-Bucks. Chaise de bureau, ça va être la course dans l'open space, disponible depuis la saison 5, chapitre 2, pour 500 V-Bucks. Vous avez un revêtement d'armes vert doré, disponible depuis la saison 2, chapitre 3, il est animé, pour 500 V-Bucks. Piouf, j'ai failli m'inquiéter, saison 2, chapitre 2, pour 200 V-Bucks. Voilà, donc. Ensuite, vous avez toujours le pack de gains de niveau du spectre, obtenez la tenue spectre à l'achat et accomplissez les quêtes hebdomadaires pour gagner jusqu'à 28 niveaux et déverrouiller des récompenses cosmiques. Accomplissez les quêtes en obtenant les jetons de gains de niveau disséminés sur la carte du chapitre 3 avant la fin de la saison 3. Chaque semaine, 7 nouvelles quêtes deviennent disponibles et peuvent être accomplies jusqu'à la fin de la saison le 17 septembre 2022, donc la semaine prochaine, donc il est fini. Enfin, on passe à la saison 4, pardon les amis. Alors, accomplissez les quêtes pour déverrouiller chaque quête un niveau entier sous forme d'XP par jeton. Semaine 1, accessoire de dos, portail de l'au-delà et revêtement regard spectral. Semaine 2, la pioche faux omniscience, donc qui est déjà disponible. Semaine 3, le style revenant de rubis pour l'accessoire de dos, portail de l'au-delà et la pioche faux omniscience, donc ça aussi c'est déjà disponible.
Et la semaine 4 qui est disponible depuis hier 3h. Donc le style cyborg pour la tenue spectre, voilà. Tout ça pour 1200 V-Bucks, les amis. C'est le prix du pack. Ensuite, le retour du pack danse de Conchella avec Alto. Vivez votre vie au premier rang. Fait partie d'ensemble Conchella, disponible depuis la saison 2, chapitre 3. Les objets réagissent à la musique, donc avec sa joie sonique, laissez le rythme vous mettre de bonne humeur. Donc voilà, ça c'est un accessoire de dos. Avec Poète, montrez-leur votre art. Casse cosmonautique, c'est son accessoire de dos. Aventurez-vous dans la Conchelverse. Et pour finir, le cateau gourdin, donc un capus d'assaut venu de l'espace. Ça se voit, non? Voilà, tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Alto et sa joie sonique pour 1500 V-Bucks. Poète et son casque cosmonautique pour 1500 évêques. Le cacto gourdin pour 800 évêques. Le gentil et trop panier, c'est un deuxième outil collecte qui fait partie du même ensemble. Il réagit à la musique pour 800 évêques également. La selle principale, sur vêtement d'armes pour 500 évêques. Donc voilà. Pack et hors pack. Ensuite, vous êtes sur le pack. Le retour aussi du pack rocker de Conchella avec fraîche. Joyeux Conchella. Voilà. Fait partie du même ensemble. Fait partie de l'ensemble Conchella aussi. Saison 2, chapitre 3. Pareil. Donc, avec ces trois customs différents que vous voyez actuellement à l'écran. Avec Swingero, c'est son accessoire de dos. Il est gorgé de bonnes ondes. Avec Naturel, toujours le premier dans la fosse. Avec son Luminodon, c'est son accessoire de dos. Nager en pleine fun. Et la gratte du festival. Parfait pour les solos, mais elle fonctionne aussi en duo et en section. Donc, voilà. C'est la petite collecte. Tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack, donc, vous avez fraîche. Et son Swingero pour 1500 évêques. Naturel et son Luminodon pour 1500 évêques. La gratte de festival pour 800 évêques. Le Mossurodon pour 800 évêques également. Le Profilodon, c'est le revêtement d'armes pour 500 évêques. Voilà. Donc c'est pack et hors pack. Ensuite, vous avez une nouvelle emote. Wake up. Ok. Saison 6, chapitre 2 pour 500 évêques. My World. Agitez vos plumes. Saison 6, chapitre 2. 500 évêques également. Ces deux emotes c'était synchronisé avec Bling Bling, montrez votre Bling Bling, diamant son nom inclus, saison 4 chapitre 2 pour 500 V-Bucks également. Last Forever, danser pour l'éternité, saison 4 chapitre 2, emote synchronisé également pour 500 V-Bucks. Tout le monde même, ouvrez votre manuel du chapitre 7, alors saison 8 chapitre 2 pour 500 V-Bucks également. Bim Bam Boum, ça fait piche, ça fait vroom, saison 7 chapitre 2 pour 500 V-Bucks. Chaussettes, salut scellé. Saison 6, chapitre 2 pour 500 évêques. Hit Hit, nous avons un vainqueur. Saison 6, chapitre 2 pour 500 évêques également. Donc voilà, les petites emotes. Ensuite, vous avez Dynamique, le combat brillant, disponible depuis la saison 4, chapitre 2. Avec Diamant, forcément, il brille. Tout ça pour 800 évêques, les deux petites emotes. Ensuite, vous avez un pro du poulet, pas besoin de réfléchir pour inventer une danse. Saison 6, chapitre 2 pour 500 évêques. Hey No. Attiser la flamme, saison 7, chapitre 2 pour 500 évêques. Solo de caisse claire, avec tel de pas de danse, les percussions sont secondaires. Saison 8, chapitre 2 pour 500 évêques également. Build up, pas fabriqué pour vous, chorégraphie par Bella Porsche. Saison 6, chapitre 2 pour 500 évêques également. Don't start now, c'est mieux de l'autre côté. Saison 5, chapitre 2 pour 500 évêques. Et Macarena, saison 7, chapitre 2 pour 500 évêques également. Gun and Style, en selle, disponible depuis la saison 5, chapitre 2 pour 500 évêques. Savage, vous pensez à la hauteur du défi, saison 5, chapitre 2 pour 500 évêques. Voilà, donc toutes les danses. Ensuite, vous avez Lueur Festif, ma chanson préférée. Saison 7, chapitre 2 pour 200 évêques. Gros câlin, serré fort, saison 7, chapitre 2 pour 200 évêques également. Mélodie, elle ne fait jamais de fausses notes, fait partie d'ensemble en avant la musique, disponible depuis la saison 7, chapitre 2, style au choix, réactif, la tenue s'élimine et change de couleur en fonction de la musique, avec ses trois customs différents qu'on voyait directement à l'écran pour 1200 V-Bucks. Harmoniste, son interprétation est toujours exceptionnelle, fait partie du même ensemble, en avant la musique, saison 7, chapitre 2, elle aussi a trois customs différents, là donc la tenue s'élimine et change de couleur en fonction de la musique, pour 1200 V-Bucks. Passband, toujours sa bonne fréquence. Donc toujours même ensemble, donc la tenue est toujours réactive, elle s'illumine et change de couleur en fonction de la musique pour 1200 V-Bucks également. La prodige de la pop, la diva de l'été, 1200 V-Bucks, pareil, même ensemble. Et la tenue s'illumine et change de couleur en fonction de la musique pour 1200 V-Bucks. L'amplitude dansée sur des bonnes zones, exactement pareil, donc c'est toujours le même ensemble en avant la musique, donc saison 7 chapitre 2. Donc la tenue s'illumine et change de couleur en fonction de la musique pour 1200 V-Bucks. Donc, réverbération grimpée au sommet du claquement, qui fait partie du même ensemble, 1200 évêques, pareil.
Syncopeur, son rythme est parfaitement régulier pour 1200 ébèques. Prince d'hypercu fait trembler les murs pour 1200 ébèques. Pareil, la tunique s'illumine et change de couleur en fonction de la musique. Cinglé du synthé couvrait tous les horizons musicaux pour 1200 ébèques. Atténuateur captait les moindres détails de signal sonore pour 1200 ébèques. Voilà. Donc ensuite, c'est le pack volume à fond avec mélodie, passe-bande, amplitude, harmoniste et prodige de la pop pour 2800 ébèques. Ensuite, vous avez le rythme dans la peau, pack rythme dans la peau avec prince des percus, syncopeur, réverbération, atténuateur, cinglé du synthé pour 2800 ébèques également. Donc voilà les deux packs. Donc c'était des packs, pack et hors pack. Donc ensuite, vous avez le retour du pack étincelante avec faisceau, soyez une lumière, fait partie de l'ensemble équipe étincelante disponible depuis la saison 5, chapitre 2. Tenue accessoire de dos, réactif, stella flux et figuroflux change d'expression quand vous jouez. Avec Firoflux, c'est son accessoire de dos, la plus belle des figures. Brillance, illuminer la voix. Avec son Stella Flux et le Fliopolé, c'est l'outil de collecte. Donc c'est les deux personnages avec leur accessoire de dos et en plus la petite outil de collecte. Une pioche pleine de couleurs, tout ça pour 2500 ebucks. Hors pack, donc vous avez Brillance et son Stella Flux pour 1500 ebucks. Faisceau et son Figuroflux pour 1500 ebucks. Le Fliopolé pour 800 ebucks. Les ailes brillantes, c'est le petit planeur pour 1200 ebucks. Les classes soniques, c'est le revêtement d'armes pour 500 ebucks. Donc voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez la tenue noctula. La fête ne s'arrête jamais. Elle fait partie de l'ensemble Fiesta Design, disponible depuis la saison 2, chapitre 2. Réactif, style au choix. Tenue réactif, le motif change quand la musique joue. Donc, avec noctula, patronne de la fête, il ne peut y avoir qu'une seule. Voilà, avec ces deux customs différentes, donc la tenue. Les motifs changent dans la musique joue, ça pour 1500 ebucks. Diva de la fête, 1500 ebucks, c'est le même ensemble, hein, les amis, je vous répète pas. Donc saison 3, chapitre 2, donc créatif, style au choix. Donc star de la fête, elle attire tous les regards, même ensemble, pour 1500 ebucks. Ensuite, vous avez Acuité, elle ne manque jamais d'éclat. Elle fait partie de l'ensemble Néo Ninja, disponible depuis la saison 2, chapitre 2, style au choix. Accessoire de dos réactif, chaque illumination scratch le disque et fait briller les lumières. Donc voilà, avec la planche à scratch, qui est son accessoire de dos, donner le rythme, donc voilà, tout ça pour 1200 ebucks. Les couteaux, luminescence, leur brillance n'a l'air que leur tranchant, donc ça c'est son outil de collecte avec ses deux customs différentes pour 1200 ebucks. Voilà, donc. Ensuite, vous avez DJ Bebop, Wap, fait partie d'ensemble Folie Platine, saison 7, chapitre 1, donc avec ses deux customs différentes. Avec ça, vous la couleur, votre petite boîte de nuit. Avec sa petite boule à couleur, pardon, qui est son accessoire de dos pour 2000 ebucks. Ensuite, vous avez le bâton luisant, fait briller la fête, saison 7, premier chapitre pour 800 ebucks. Bâton luisant, ça c'est son outil de collecte, donc pour 800 ebucks. Étincelleur, c'est le petit planeur, donc c'est son planeur, donc pour 500 ebucks. Balance la sauce, attention, ça arrive, donc ça c'est la petite emote, fruit des platines, saison 6, premier chapitre pour 800 ebucks. Fief Visisco pour faire fureur dans tous les mariages, fait partie de l'ensemble Démons de la danse, saison 3, premier chapitre pour 800 ebucks également. Breakdance, bouge ton corps, disponible depuis la saison 3, chapitre 1 pour 800 ebucks. Voilà. Ensuite, vous êtes toujours l'ensemble Espère du karaté, donc avec héroïne du héron, terreur du tatami, championne du shuto, technicienne du tsuki et capitaine kata pour 2000 ebucks. Le pack combattant du dojo, donc avec Jones Karateka, défenseur du dojo. Gardien du Kai, ceinture noire et connaisseur du comité pour 2000 ebucks également. Le pack d'équipement de Cobra Kai avec la technique de la grue. L'enseigne de Miyagi, c'est un accessoire de dos. Le deuxième, c'est pièce de Cobra. L'outil de collecte, logo du dojo. Et malédiction du Cobra, donc c'est deux outils de collecte, tout ça pour 1500 ebucks, donc les amis. Ensuite, encore pack, vous avez l'héroïne du héros pour 800 ebucks. La terreur du tatami pour 800 ebucks. La championne du shuto pour 800 ebucks. La technicienne du tsuki pour 800 ebucks. La capitaine du kata pour 800 ebucks. John Karateka pour 800 ebucks également. Défenseur du dojo pour 800 ebucks. Le gardien du kai pour 800 ebucks. La ceinture noire pour 800 ebucks. Le connaisseur du comité pour 800 ebucks. L'héroïne du héros pour 800 ebucks. Voilà. Ensuite, vous avez technique de la grue pour 300 ebucks. Hors pack donc. Avec l'enseigne de Miyagi pour 400 ebucks. La pièce de Cobra pour 200 ebucks, le logo du dojo pour 800 ebucks, la médiction du Cobra pour 800 ebucks. Donc voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous êtes sur le pack Starfire, avec Starfire et son skillet, c'est son accessoire de dos.
Le trait stellaire, c'est l'outil de collecte. Le moulinier de Starfire, c'est la petite emote. Et pour finir, l'écran de chargement, le vol de Starfire, tout ça pour 1800 V-Bucks. En parc, vous avez Starfire et son skillet pour 1500 V-Bucks. Le trait stellaire pour 800 V-Bucks. Le moulinier de Starfire pour 300 V-Bucks. Et voilà. Ensuite, vous avez donc les emoticons gratuits avec Gadin, fierté de s'affirmer, la fierté de Royal 2022 en musique. L'union des cœurs totalement gratuit, l'émoticône, l'écran de chargement en Asie des échos totalement gratuit, fierté royale 2021 totalement gratuit, souvenir chromatique, c'est un aérosol totalement gratuit. Ensuite vous avez Arc du Bonheur totalement gratuit, l'arc-en-ciel sauvage totalement gratuit, le cœur doré c'est un aérosol totalement gratuit, l'amas coloré pareil, le boogie woogie donc coloré c'est aussi l'aérosol, l'étoile colorée c'est un dernier aérosol, voilà. Ça totalement gratuit. Ensuite, vous êtes sur le pack Patrick Mahomes. Avec Patrick Mahomes et son gadget de gavetteur, c'est un accessoire de dos. Mahomes saucé et sa super sauce, c'est un accessoire de dos. Les haches rougissantes, les lits de l'ambus et le revêtement d'armes. Et place au jeu, sa petite emote, tout ça pour 2300 V-Bucks. Hors pack, donc c'est Patrick Mahomes et son gadget de gladiateur et ses haches rougissantes pour 1800 V-Bucks. Mahomes saucé et sa super sauce pour 1500 V-Bucks. Les lits de l'ambus pour 300 V-Bucks. La place au jeu pour 200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, sur le pack. Agent ciblé pour 16€ qui comprend donc un accès permanent à la campagne Sauver le Monde, le pack de défis d'agent ciblé avec gagné 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans Sauver le Monde, terminer la défense du bouclier anti-tempête base 3 pour déverrouiller les quêtes quotidiennes et entamer ce pack de défis avec Nia, une experte autodidacte du style de la furtivité avec son fourre-tout tactique, c'est son accessoire de dos, et pour finir le bâton barré, c'est son outil de collecte, tout ça pour 16€ donc. Ensuite vous avez toujours le pack pour 12€, le pack des quêtes d'Inferno avec Inferno enferrer vos adversaires dans vos flammes. Son outil de collecte, le faux écarlate. La brûlure, c'est vêtement d'armes. Et vous pouvez gagner 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes supplémentaires qui sont dans le pack. Donc voilà, les amis. Ensuite, il y a toujours le pack Les Asins animés pour 2300 V-Bucks qui comprend Banane Cartoon, son milkshake de banane qui sont accessoires de dos. Le Banane Carto, c'est son marteau, pardon, c'est son outil de collecte. Broussaille Cartoon. Sa ruche royale et se frappe à fer avec le zinc zinzin, donc c'est le petit planeur pour 2300 V-Bucks, les amis, voilà. Ensuite, vous êtes sur possibilité de souscrire Cloth of Night pour 12€ par mois. Si vous avez déjà le pass de combat, il vous rembourse 150 V-Bucks. Vous recevrez 1000 V-Bucks à la date de facturation du club. Vous avez l'accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Et en cadeau ce mois-ci, c'est toujours donc insensible, donc l'amour est mort avec. Sa carte à jouer, c'est un accessoire de dos. Le stylet trancheur, c'est son outil de collecte. Vous avez le revêtement d'armes, tirage de cœur. Et l'arnaque sensible, c'est la petite musique. Voilà. Tout ça pour la souscription au Club Fortnite. Donc, si toi aussi tu as regardé la boutique jusqu'au bout, n'oublie pas de mettre un petit commentaire brasier, ça me fait super plaisir. Ensuite, pour me soutenir la chaîne, n'oublie pas le code de l'été, le code brasier en minuscule, majuscule, on s'en fout, mais t'es accepté, moi ça m'aide énormément. Le pouce bleu, tu connais, le partage si possible. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire, c'est totalement gratuit. Voilà les amis. Et vous n'oubliez pas, vous avez aussi la possibilité, si vous pouvez, vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est juste pour le plaisir les amis en fait. Hein. Voilà, tout pour le plaisir. Donc vous mettez en commentaire dans Brasier pour voir si vous avez regardé la vidéo en entière. Et surtout, voilà, vous pouvez depuis le 8 août, donc souscrire directement à la chaîne et devenir un membre exclusif et profiter de nombreux avantages que n'ont pas les simples... Voilà, les simples, je dirais les simples membres, quoi. Enfin, les autres abonnés, voilà, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, portez-vous bien, on se retrouve nous ce soir pour notre live Rocket League, donc venez nombreux. À ce soir, merci à tous, bonne journée, bye bye.